Salut tout le monde, comment vous allez? C'est votre humble serviteur Eritor. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end, précisément votre samedi, se passe très très bien. En tout cas, aujourd'hui, je pense que je vais porter ma casquette de réconciliateur. Voilà, c'est très important parce que je regarde certaines choses. Déjà que mon coupé décalé va très 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 mal. On parle de clash par-ci, clash par-là, et malheureusement, il y en a des adeptes. Il y a vraiment des personnes qui aiment ça et qui encouragent ça. Quand j'entends clash, ils sont tout heureux. Ils sont pressés d'aller regarder de quoi est-ce qu'on parle, de quel clash parle-t-on encore. Ok, il n'y a pas de problème. Le réconciliateur va prendre sa casquette et on va mettre les pendules à l'heure. On revient juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Ok les amis, bien avant de poursuivre la vidéo, je vais ouvrir deux petites parenthèses là pour parler à mon frère Ariel Chiné. Voilà, un artiste que je kiffe beaucoup, pétri de talent, mais il y a un mais. Ariel Chiné, tu sais, je pense, mon aime la vie, je pense, hein, pour mon aime la vie, que tu as commencé à avoir la grosse tête pour seulement qu'un seul single qui a vraiment, vraiment cartonné. Et tu sais de quel single je parle bien du Simpa. Nous, on t'a connu poli, on t'a connu très discret, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est concentré sur son boulot et qui envoie des tubes. Mais je pense, pour ma part, que cette ligne de conduite, cette nouvelle ligne de conduite que tu as prise, là, franchement, ne va pas t'arranger. Parce que c'est pas ton registre et tu vas pas te retrouver dedans. Dieu t'a fait la grâce de faire un gros boom avec ton Simpa. Il faut juste le savourer dans la discrétion et dans ton coin. Voilà, à la limite, ignore comme tu as toujours ignoré tout ce qui concerne les clashs. Voilà. Parce que moi, j'ai regardé tes directs. C'est maintenant que les gens sont prêts à s'acharner sur ton dernier direct là. Mais il y a longtemps que tu es dans ce discours du genre, tu as fait sortir le Simpa. Et jusque-là, bon, tu regardes sur l'échiquier musical, il voit rien. Il n'y a pas un son qui est venu détourner le Simpa. Et effectivement, il n'y a pas eu de son qui est venu détourner le Simpa. Mais faut que je te dise une vérité. L'effet Simpa, d'alors, il y a quelques jours, a nettement, nettement, nettement diminué. Actuellement, dans les boîtes, on te parle du Woyo, on te parle du Koré, on te parle du Cotonou Koto, on te parle peut-être même du Lekki de Didier Arafat. Ce sont ces nouveaux sons-là qui sont d'actu dans les boîtes de nuit. Tu comprends un peu? Moi, j'irai contre toi. Parce que ton cousin, Salomon, c'est un ami personnel à moi, on se connaît très bien, il sait combien de fois je t'apprécie. Mais la nouvelle casquette que tu as commencé à arborer, là, franchement, ne va vraiment pas t'arranger. Voilà. Il faut sursoir à ça dès maintenant et très vite même. Parce que moi j'étais un peu choqué. Voilà. C'est pourquoi les gens parlent de clash. Moi je sais que c'est pas un clash. Il y a des gens, ton son a tellement pris de l'ampleur, a tellement marché que bon, tu es quitté sur terre, donc tu es en train de dire des choses comme ça. Sinon, il y en a des gens ici, comme des Bordeaux, Didier Raffa, Serge Bleu, qui ont cartonné. C'est pas un seul son, plusieurs sons. Voilà. On va dire Didier Raffa, des Bordeaux, on les connaît en tant que père de clash et père du buzz. Mais toi, c'est pas ça en fait. Toi, c'est ton silence que Dieu a regardé et puis il t'a donné cette chance à de faire un gros boom avec ton Simpa. Donc reste dans ton coin. Voilà, ce langage que tu as commencé à avoir là, il faut l'arrêter dès maintenant. Parce qu'à la longue, les gens ne vont pas aimer. Il faut savoir que tu te partages beaucoup de fans. On reconnaît ton talent, tu es très fort au niveau de ton talent, tu es très 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 fort, il n'y a rien à dire. Mais dans tes fans, il y en a des Chinois, il y en a de trucs de Serge Bello. Parce que quand des Chinois t'attaquent, et puisque les fans de Serge Benoît sont en conflit aussi avec les fans de Didier Raffat, c'est sûr que tu auras des fans de Serge Benoît qui seront acquis à ta cause. Et même des fans de Bordeaux, puisqu'il aussi en clash avec. Tu vois un peu, il faut comprendre les choses comme ça. Je ne dis pas que tu n'as pas de cote, tu deviens poids lourd dans le game, mais il faut rester dans ton registre d'artiste humble, d'artiste effacé, qui se fait entendre seulement que par son travail. Voilà, moi je pense que ça va t'aider. Voilà. Parce que moi, je suis un peu offusqué quand on parle de clash. Parce que je sais, il n'y a pas eu de clash. Voilà. Il n'y a pas eu de clash. Mais ce sont tes propos que les gens interprètent autrement. Des mecs, quand on te fait une interview, on te pose la question, tu vas dire, tu n'as jamais dit ça, que tu ne te reconnais pas dans ces propos-là. Tu comprends un peu? Oh, les gens disent que tu as clashé. Moi, c'est ce conseil que je vais te donner avant de me prononcer même dans le sujet de cette vidéo. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Je ne suis rien, hein. Mais je peux t'apporter beaucoup. Voilà. Mon avis, je pense bien que je peux t'apporter beaucoup. Et ce n'est pas des mauvais conseils que je te donne. Voilà. Maintenant, pour parler même de la vidéo, moi j'ai toujours eu pour devise ici que c'est vrai, les clashs existent dans tous les pays du monde, dans toutes les musiques du monde, mais on n'a pas forcément besoin de clash dans un style musical pour que ce style musical-là explose, perce, ait un grand boom, je pense pas. C'est pourquoi moi je suis contre les clashs. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Il y en a, non?
lorsqu'ils parlent de clash, lorsqu'ils interprètent les propos de certains artistes comme des clashs, il y en a qui applaudissent. Il y en a qui applaudissent. Comme quoi, c'est leur registre, c'est comme ça qu'ils font leurs trucs, leurs réactions, leurs vidéos et tout ça. Il n'y a pas de problème, je respecte ça. Mais pourquoi, comme moi, je suis un peu fâché que je viens clasher ou que je viens dire certaines vérités, ça vous offusque, ça vous fait mal. Ah, moi, je suis trop blanc, je suis trop l'ange, c'est ça. Moi, je suis trop parfait, je ne dois pas faire de clash aussi. Effectivement, moi, je vous accorde ça, ce n'est pas mon truc, je n'aime pas même d'ailleurs. C'est souvent quand je suis énervé que je m'emporte et puis je dis certaines choses qui vous déplaisent. Mais pour vous dire que quoi? Arrêtez une bonne fois pour toutes ces histoires de clash là. Le coupé décalé actuellement se porte très mal. Je ne le dirai jamais assez. Il se porte très, 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 vraiment très mal. Réveillez-vous un peu. Clash par-ci, clash par-là. Dernièrement, il y a Serge Bineau qui a commencé à investir. Ça fait des jaloux. On félicite le mec, on dit non. Comme on félicite le mec, on veut dire qu'il est devenu le numéro 1 du couple. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de l'encourager. Hey mec, si le mec il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Mais il sera le numéro 1 partout. Ça faut l'accepter aussi. Vous voyez des comparaisons partout. Vous voyez des clashs partout. À quel moment a Rinchené a clashé Didier Raffa dans une de ses vidéos? Mais il s'adresse à tout le monde quand il parle. Bien que ça ne me plaise pas, parce que ce n'est pas un signe d'humilité, mais il s'adresse à tout le monde. Ses directs ne sont pas adressés à un truc DJ Rafat. Il s'adresse à tout le monde parce qu'il dit bien. Et je pèse mes mots. Depuis que je regarde la musique ivoirienne, il n'y a pas eu un son qui est venu détrôner le SIPA. C'est Rafat seul qui est le DJ de la Côte d'Ivoire, mais qui est l'artiste qui peut dégager de la Côte d'Ivoire. Non, il y a Demando qui est là, il y a Serge Beno, il y a Kedjevara, il y a Safarel, il y a Mix, il y a DJ Lero, il y en a plein, 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 plein. Il y en a plein. Mais le mec qui fait son direct comme quoi, bon, comme il est trop sur les nuages, il veut juste en gérer un peu ses fans, vous prenez ça comme quoi il est en train de clasher X ou il est en train de clasher Y. Non, moi je suis désolé, moi je suis pas d'accord pour ça. Voilà. Chacun a son analyse, il y en a qui vont supporter ça. Je respecte cela. Mais n'entraînez pas tout le monde dans votre bateau. Non. Voilà. Notre coupé décalé actuellement où il est là, n'a pas besoin de clash. Même pas. Même pas. Sachant tricher un peu. Il y a des clashs même muets. Tu as vu ton gars, par exemple, s'il parle de la Rinchené, a fait 9 millions de vues, tu cherches à réfléchir, à voir comment tu as fait sortir un son aussi qui va dépasser le Simba de la Rinchené. C'est ça, moi, j'appelle clash, en fait. C'est pas venir interpréter la propos de quelqu'un pour dire non, lui, là, il a caché tant, il a caché tant. Ça va créer que des divisions et des guerres. Et puis, ça crée ça. Ça va faire du commerce. Et puis, vous, vos chaînes, vos pages, ça marche. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Je comprends pas. Et ce qui est malheureux, malheureux, très malheureux, je dirais, c'est que. Il y a des gens qui sont, ils sont fans de ça en fait. Que ils entendent clash. Franchement, leur journée est gagnée. Qui a clashé qui où? Il a dit quoi où? C'est quoi ça? C'est triste quoi. C'est vraiment triste. Mais les personnes comme nous qui viennent nous dire non, parlons du travail de notre artiste, donnons des conseils à nos artistes, on dit non, que nous sommes des sorciers, nous ne sommes pas bien. Mais les gens qui viennent interpréter des propos pour les donner à certains artistes, ceux-là ils sont bien, ceux-là ils sont parfaits. Il faut que ça cesse les amis. Ariel Chiné n'a aucunement clashé Didier Arafat. Je répète, Ariel Chiné n'a aucunement clashé Didier Arafat. Il faut arrêter ça maintenant. Voilà. Ayez le courage de dire aux gens que on ne peut pas seulement se produire ou réagir seulement quand il y a des clashs. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il faut que ça cesse. C'est toutes ces petites choses-là qui envoient beaucoup de palabres dans notre coupé décalé. Vous connaissez Didier Arafat? Ils vont dire, ah bon? Donc ce direct, c'était pour moi. Ok, il n'y a pas de drap, il va commencer à faire des directs, il va commencer à envoyer des pics. Or, actuellement, il s'est réconcilié avec son petit Ariel Chiné. Quand Didier Arafat, par exemple, dit dans son liquide, je les ai tous fracassés jusqu'à ce que tous me demandent pardon. Donc, le tous là, c'est Ariel Chiné seul. Il faut que ça cesse. Ariel Chiné n'est pas le premier artiste à demander pardon à Didier Arafat. Il y en a eu plein comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça une bonne fois pour toutes. Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et vous qui nous regardez là, c'est ce genre de choses à vous partager, c'est ce genre de choses à vous liker, c'est ce genre de choses à vous partager. N'importe quoi. Bon, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai été clair. Arrête de chiner, redescends sur terre et puis concentre-toi sur ton travail. Merci.